Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? Moi, pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, quoi, j'ai toujours la forme. Actuellement, encore une fois, même, je dirais, j'ai un nouveau décor. Enfin, plutôt, je suis toujours dans ma chambre, c'est juste que j'ai changé un peu la disposition. Et je me sens beaucoup mieux comme ça. Regardez comment je suis là. Je suis vraiment posé, prêt à tourner une petite vidéo posée tranquillement. Et on est plutôt pas mal, voilà. Du coup les gars, aujourd'hui, petite vidéo Warzone. J'avais fait des vidéos Warzone, il me semble, au premier confinement. Ça date d'il y a 2 ans du coup. Mais entre deux, j'ai toujours continué à jouer à Warzone, que ce soit sur PS4 ou PC. Là aujourd'hui on est sur PC les gars, du coup on y va sans plus tarder. On vise le top, hein, comme d'hab, hein, c'est le but du jeu de toute façon. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, d'activer la petite cloche de notification, de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis on y va sans plus tarder. Ok, du coup on se dirige directement vers Factory les mecs. Donc on commence directement avec cette petite fenêtre. Qu'est-ce que ça nous réserve? Alors déjà il y a une petite mitrailleuse, on la prend directement. Le petit coffre qui fait plaisir. C'est toujours mieux avec un viseur. Petite grenade là. Le petit coffre. Le petit drone qui fait plaisir également. Ça tire au-dessus de moi, ça tire au-dessus de moi. Je sais pas si c'est en dessous ou au-dessus. On va prendre la clé mort qui est juste ici. Ok, une voiture sur la minimap. On l'a vu. Inch'Allah. Je me prends pas une balle par derrière. Alors, tout dans la discrétion, nous. Hein. Tout dans la discrétion. Bon, visiblement, on n'entend pas de pas, a priori, dans nos alentours. Ah, ça aurait été beau si quelqu'un ouvrait la porte, là. On lui aurait tiré dessus. Par contre, du coup, on a un petit colis, là. On a un petit colis. Et si on mettait le drone? Est-ce qu'on met le drone ou pas? J'hésite. Bon, allez. Putain, il est à 600 mètres. Il y a quelqu'un en dessous de nous. Il y a quelqu'un en dessous de nous. Les gars, on se prépare. Il est juste en dessous. Qu'est-ce que je fais? J'ai carrément foiré ma grenade leur. Bah voilà, c'était pas compliqué. Ok, premier kill. Premier kill. C'est cool. Il y a un deuxième ennemi dans le bâtiment. Toujours dans Factory. On va aller le voir. S'il se téléporte pas, bien évidemment. Et je ne sais pas si notre compagnon est parti ou pas. Alors visiblement, il est parti. Je ne sais pas où. Comme par hasard, il s'est téléporté. Ok, une voiture là-bas. Et on va se barrer. On va aller chercher notre colis, qui me semble qu'il est... Oh non, dites-moi pas que c'est le bug du colis. Oh non, c'est chiant ça, ça nique toutes les games à chaque fois. Je vous promets pas qu'on ait notre largage d'équipement. À mon avis, il est sous terre. Et pour aller sous terre, évidemment, il faut que ça me tire dessus. Comme je disais, pour aller sous terre, ça va être compliqué pour récupérer le colis. Ok, il est là. Mon shoot, soit il est dégueulasse, soit il a pas pris ses balles. Dites-moi en commentaire. À mon avis, c'est mon shoot qui est dégueulasse. Et il pourra se réanimer, bien évidemment. J'attends qu'il se relève. Ou alors, il est déjà relevé. Deux sur la droite. C'est une réponse correcte. Bah dis donc, ce deuxième kill, propre ou pas propre? Ennemis déployés dans la zone des opérations. Ok. C'était pas très... C'était pas si facile que ça d'éliminer cet adversaire. Oula. Bah dis donc, ils ont quoi à spawn sur moi là? Ils sont vénères ou quoi? Bon déjà, du coup les gars, on est à 4 kills. C'est plutôt pas mal pour un début. Elle est forte cette batteuse. Très équilibrée au niveau de la visée. Ok, à mon avis, du coup, le collier est sous terre. C'est sûr à 100%. Du coup, ça nous nique notre game. Le top 1, ça va être compliqué les gars. Ça va être compliqué. Ne jamais dire impossible, mais pour moi, ça va être impossible. Mais ne jamais dire impossible. Le gaz progresse. Nouvelle zone de sécurité marquée. Il y a un mec qui s'est suicidé devant moi. Dans la zone des opérations. Tant pis pour lui, il a pas su contrôler sa chute. C'est dommage. Ça fait quelqu'un de moins dans la map. J'adore ce jeu les mecs, c'est ouf. Vous savez pas à quel point c'est satisfaisant. Je... Il y a un mec là. Si jamais il descend.
Mais je le capte plus. Faire être vigilant parce qu'il est peut-être toujours là. Vous savez quoi, on va prendre un kit d'autoréa au cas où. Voilà. Ah merde, la zone. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On a notre parachute d'amour. Et j'avais raison, mon colis est bien sous terre. Super, ça fait plaisir. Bon bah du coup, les gars, depuis tout à l'heure, on tape un petit rush un peu partout. Je me tire dessus. Écoutez, comme la zone arrive, pourquoi pas se poser là. Et attendre comme un... comme un campeur à l'ancienne. Il y a un quad là. Non, ça sert à rien. On va pas lui tirer dessus, sinon on risque de se faire repérer pour rien. Je pensais qu'il allait avoir une ligne d'ennemis qui allait arriver, mais non, visiblement. Allez, on décampe. On va aller voir ce qui se passe. Ah, il est là. Cinquième kill, ça fait plaisir. On est concentré là. Vraiment, on est concentré. Si j'arrive à vous offrir ce top 1 et à m'offrir également ce top 1, ça fera toujours plaisir. Ça va, on est pas trop loin, pas trop loin de la prochaine zone. Il n'y a pas grand monde là. Il n'y a pas grand monde, les gars. Il reste déjà plus que 30 personnes. 31, 30. Pas plus. Je parle trop vite à chaque fois. Ça décampe. Ben voilà. Sixième kill. Sixième kill, ça fait plaisir. Pour l'instant, on est bien. Comme quoi, on n'a pas besoin de notre largage d'équipement. Même si ça aurait été un plus. On va vite arriver sur la cible. Ok, ça tire. Ça tire, ça tire, ça tire. Après, je pense qu'il y en a qui sont en fantôme, là. Du coup, on les voit pas forcément sur la petite map. Et lui, à mon avis, on va bien le manger. J'ai déjà plus de drones, c'est ouf. Faudrait que les drones, ils durent plus longtemps, en vrai. Hein, parce que... je vous mens pas. Par contre, il est où? À 40 mètres, 42 mètres. 20 mètres. C'est un tigre ou c'est comment? Il est dans les buissons, je rêve. Il est invisible. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Le gars se rapproche. J'ai rarement vu un mec autant campeur que lui. Clairement. Mais bon, ça nous fait un 7ème kill. Du coup, c'est pas trop mal. Mais par contre, je suis assez choqué de sa cachette. Clairement. Il y en a qui ont vraiment pas de vie. Allez, on va se diriger directement sur la prochaine cible. J'adore parce qu'on vraiment on fait toute la map, j'ai l'impression. On fait de maison en maison, de lieu en lieu. Et ça, c'est cool. On va monter en haut pour prendre de la hauteur, on sait vraiment jamais. Merde, la zone arrive. Merde. Bon, ça, tant pis. Tant pis. Ok. Je vous avoue, je stresse, les gars. Je vous avoue, je stresse. Je suis pas bien, là. Alors, on avance progressivement. Par contre, là... c'était lui. C'était lui, la cible. Il est là. Je suis pas bien, les gars. Je suis pas bien. Huitième kill. On se rapproche du top 1 tout doucement. On est toujours avec le même stuff que du départ. On n'a pas changé. On n'est pas si loin de la zone. Je dois éternuer. Vraiment, on contourne la zone un max pour s'éloigner des ennemis. Parce que la plupart des gens, je suis sûr, ils sont vraiment dans le centre, en train d'attendre la zone. Personne là? Oh le con. Je me suis fait repérer là, non? Oh, j'abuse, j'aurais pu l'avoir facile. Je prends un gros risque de ouf. J'aurais pas dû faire ça. Ça fait rien. On va rester bloqué en haut et c'est pas le bon bail. On va aller directement sur le toit. J'ai les colis ou pas? On va chercher le colis.
Allez, on va chercher notre colis, les gars. On le mérite, notre colis. Je suis désolé, on le mérite. Tout le début de la game, on n'a pas eu de colis. On est avec le même stuff du départ. Voilà, ma petite classe d'amour. J'adore cette classe. Simple et efficace. Ça suffit pour tuer, pour éliminer des ennemis. Et maintenant, on n'aura plus qu'à attendre un peu et regarder au sniper s'il y a des gens... Enfin, s'il y a des ennemis. Il reste 15 personnes. Je mets une clé mort là. Si jamais ça monte, comme ça, le mec, il se la prend en pleine tête. Je me disais bien que j'entendais quelqu'un, là. Ça va arriver, là. Ça va fortement arriver. Soit ça va arriver d'en haut, soit là, ou soit sur la gauche. J'ai l'impression qu'il se rapproche de plus en plus. Mais je l'entends pas. Il s'éloigne. Ça va arriver de la gauche, non? Je l'avais dit qu'il arrivait, qu'il allait arriver de la gauche. C'était sûr. Ok, 9ème kill. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal pour le moment. On va se shield tranquillement. En munitions, on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Silence des morts, très important. Très utile. Clé mort là, on sait jamais. Par contre, il n'y a vraiment personne pour le moment. Hein. J'ai envie de faire stop 1 avec vous, les gars. J'ai envie de vous l'offrir. Vous savez pas à quel point. J'ai envie de vous l'offrir. Il en reste 8. Pour l'instant, on est pas mal. J'ai l'impression que notre position, elle est vraiment bien. Mon cœur bat 1000 à l'heure. Ça se voit pas forcément à ma tête. Du moins, j'en sais rien. Mais je suis en sueur. Je transpire. On frôle la zone. Hein. Tout en avançant avec la zone, c'est une super bonne idée. Je l'utiliserai beaucoup plus souvent, cette technique. Casseur approche. Une nouvelle zone de sécurité a été désignée. Il est juste là. J'étais à ça de pas l'avoir. Par contre, du coup, attendez. La zone, elle est méga petite. Je stresse vraiment à mort. J'entends rien, en plus, y'a personne qui marche. On va prendre la hauteur, hein. C'est nous les rois. Je vous le dis, c'est moi le roi de cette game. Il reste 4 personnes. C'est moi qui ai la plus grande hauteur. Normalement, oui. Je suis vraiment pas bien, les gars. Onzième personne. Merde. Ça y est, je panique. Là, je panique. J'ai plus le contrôle de mon clavier, là. Je l'avais pas vu. Merde. Putain, la zone, si elle me touchait pas, il l'avait en pleine tête. Très clairement. Je m'en fous, on va le rush, hein, non? Est-ce qu'on le rush ou pas? Il reste 2 personnes. Je suis mort. Un vs 1. Je meurs shield. De toute façon, j'ai un masque, c'est pas grave.
J'ai la hauteur normalement, non? Ou alors il l'a déjà prise? C'est impossible, c'est impossible, c'est moi qui ai la hauteur, je l'aurais déjà vu sinon. C'est quoi ce bordel? Il est où? C'est moi qui ai la hauteur là, c'est sûr. Je l'entends pas. Oh. Il est là. Il est là. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Le gaz est en train de se déplacer. Tous les ennemis restants ont été éliminés. Excellent travail. T'es clairement à ça de la crise cardiaque. Je suis trop content, on a fait un petit top 1. Ça fait plaisir les gars, on a fait un petit top 1. Est-ce que vous avez kiffé? Je reprends mes esprits, attendez. Non, en vrai, je suis content quand même qu'on ait fait ce petit top 1 tranquillement. Enfin, tranquillement, on a rushé toute la game. On a fait 12 kills, franchement, premier top 1 en vidéo, je vous l'offre. Comme quoi, on n'a pas besoin forcément de colis pour faire top 1. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé la vidéo. Moi, franchement, je suis fier de moi. Je suis fier de moi et j'ai hâte de vous sortir la vidéo, vous savez pas à quel point. Il faut que je me calme, je parle beaucoup trop vite. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, d'activer la petite cloche des notifications, de vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Pour le top 1, on s'abonne, hein. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Des gros bisous. A plus.